de la balance commerciale était récente. Hélas, ce n'est pas le cas. Le déficit a pris une ampleur devenue non maîtrisable depuis déjà 7 ans. Ces effets négatifs sont ressentis par l'ensemble de l'économie marocaine et son traitement devient de facto une affaire de tous et hautement prioritaire. C'est pour cela que nous avons opté pour un plan national pris en charge par l'ensemble du gouvernement et les secteurs publics et privés. Ce plan a été monté grâce à la contribution de plusieurs départements ministériels, des offices et institutions publiques et du secteur privé que nous avons écoutés lors des multiples réunions consacrées aux questions liées au commerce extérieur. Je vous livre donc un plan ou bien une feuille de route qui est perfectible, modulable, bien entendu, si les contraintes sont respectées. Le plan vise à rendre effectifs les directives royales, notamment celles contenues dans les discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à l'occasion de la fête du trône de 2013. La déclaration gouvernementale a exprimé la détermination du gouvernement à œuvrer pour un traitement global des dysfonctionnements devenus structurels du commerce extérieur, notamment en vue de renforcer la valeur ajoutée de la production nationale, renforcer et rationaliser les missions des organismes actifs en matière de promotion des exportations, renforcer la position du Maroc sur les marchés traditionnels et l'ouverture sur les marchés émergents, renforcer l'harmonie entre les différents intervenants dans les négociations commerciales, surtout à l'international, mettre en place une politique anticipative à travers le développement des mécanismes de veille. Mon exposé comprend quatre parties. La première consiste au contexte général. Deuxième partie, s'agit du diagnostic de la situation actuelle des échanges commerciaux. Troisième partie, ça c'est le plan national de développement des échanges commerciaux. Et la quatrième partie, il s'agit là de la gouvernance de ce plan. Je vais donc commencer par un appel ou bien un rappel du contexte général. S'agissant du contexte international, il convient de rappeler qu'après un recul net de la croissance économique mondiale, résultant de la crise financière internationale, nous constatons des perspectives de reprise de l'économie mondiale avec une croissance avoisinant 3,6-3,7% prévue en 2014. Déjà, au début de 2014, plusieurs indices indiquaient que le contexte international continuera à être marqué par une forte demande sur l'énergie et les matières premières, sur le court et le moyen terme, que les événements en cours aussi au Moyen-Orient viennent nous indiquer que les prix de nos importations restent à des niveaux élevés et ceci agira négativement, malheureusement, sur l'état de la balance commerciale marocaine. L'environnement national s'est caractérisé par une croissance économique faible qui n'a pas dépassé 2,7% en 2012, au lieu de plus de 5% avant le déclenchement de la crise, un déficit commercial des biens qui a quasiment triplé entre les années 2004 et 2013, le recul de l'excédent commercial de la balance des services, ajouté à la stagnation des transferts des revenus des MRE, a abouti au déficit du compte courant de la balance des paiements, donc baisse des réserves des avoirs extérieurs en devises. Et nous concluons que l'état de la balance commerciale affecte nos capacités de financement des investissements et la réalisation d'un niveau de croissance à même de créer de l'emploi. Nous allons donc voir quelles sont les spécificités de ce déficit et quelles sont ses composantes essentielles. Le déficit de la balance commerciale des biens et services a atteint 125 milliards de dirhams en 2013 au lieu de 22 milliards de dirhams en 2000.
ce déficit représente 14% du PIB en 2013, contre 6% seulement en 2000, et le taux de couverture n'est que de 70%, malheureusement, au lieu de 83% respectivement pour la même période, c'est-à-dire entre 2000 et 2013. Le déficit commercial des biens, dont le montant a dépassé celui des exportations en 2007, ce déficit est de 195 milliards de dirhams. Ce déficit est imputable essentiellement à la faiblesse de la croissance des exportations, à l'augmentation de la facture énergétique et à l'augmentation des importations induites par la croissance de l'économie marocaine. Nombre d'analyses et d'articles de presse imputent le déficit de la balance commerciale aux accords de libre-échange. Dans ce cadre, force est de constater que le commerce réalisé avec les pays signataires de ce type d'accord représente 65% du total des échanges de biens, alors que leur contribution au déficit commercial ne dépasse pas 57%. Le commerce réalisé avec les pays non signataires de ces accords est à l'origine de 43% du déficit total de la balance des biens, malgré qu'il ne représente que 35% du total des échanges de biens. La Chine, comme vous le voyez sur le slide, arrive en tête de ses partenaires avec environ 11% de ce déficit, malgré qu'on n'a pas d'accord préférentiel avec ce pays. Malgré l'entrée en vigueur de ces accords, une part importante, comme vous le constatez, des échanges est effectuée en dehors du cadre préférentiel, ce qui explique que les AME ne constituent pas le déterminant principal du déficit commercial qui demeure structurel. Dans nos échanges avec l'Union européenne, nous observons que les échanges effectués avec 4 partenaires, à savoir l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France, contribuent avec plus de 67% au déficit commercial bilatéral avec l'Union européenne. S'agissant des échanges avec l'Arabie saoudite, avec un déficit de plus de environ de 23 milliards de dirhams, l'essentiel des importations est constitué des produits énergétiques, alors que l'acide phosphorique représente un peu moins de la moitié de nos maigres exportations vers ce partenaire. Nos importations de Chine ont connu une croissance fulgurante au cours des 12 dernières années, en dépit de l'absence d'un quelconque accord commercial préférentiel avec ce pays, et le déficit commercial atteint 23,5 milliards de dirhams en 2013. Les importations marocaines de Chine sont relativement diversifiées, avec une part importante des machines et outils, tandis que nos exportations se concentrent sur des minerais et des demi-produits. Une part importante des échanges commerciaux avec l'Union européenne et les États-Unis, partenaires signataires des AME, se font en dehors du régime préférentiel. Vous le voyez bien sûr la matrice à droite, il y a plus de 65% du volume d'échange avec l'Union européenne qui se fait en dehors du cadre préférentiel. Et la même chose pour les États-Unis, il y a plus de 61% qui se fait en dehors du cadre préférentiel. Donc, on peut dire que le déficit commercial avec ces deux partenaires n'est pas dû essentiellement ou seulement aux AME. Heureusement, le Maroc a enregistré en 2013 un excédent commercial avec certains partenaires, en particulier ceux du Sud. Cet excédent demeure modeste dans la réduction du déficit de la balance commerciale. La balance du commerce des services a enregistré un excédent de 47 milliards de dirhams l'année 2013,
malgré une légère reprise. Celui-ci n'a pas encore retrouvé jusqu'à présent son niveau d'avant la crise. En 2007, cet excédent il était de 55 milliards de dirhams contre 47 milliards de dirhams en 2013. Évolution de la structure des échanges des services. Il est à remarquer que la contribution des services des voyages et transports représente que 70% des exportations des services en 2013 au lieu de 83% en 2000. Par ailleurs, la croissance des importations des services a été plus soutenue tout en gardant la même structure. La capacité à résorber le déficit commercial des biens, il est nécessaire de souligner que la problématique de la résorption du déficit commercial a débuté en 2004, puisque les transferts de MRE et l'excédent du commerce des services ne couvrent plus le déficit de la balance commerciale des biens. Cette détérioration s'est aggravée, entraînant la baisse de la capacité d'absorption du déficit des biens à 54%, ce qui signifie que presque la moitié du déficit est couvert par l'utilisation des réserves en devises ou par le recours à l'endettement extérieur. Alors, quelles sont les raisons? On va voir quelles sont les raisons de cette détérioration. Le premier élément qui explique notre incapacité à résorber le déficit commercial est la structure des importations. Celles-ci sont composées de ressources non disponibles au Maroc, produits énergétiques, produits bruts, biens d'équipement et produits semi-finis, qui représentent presque les trois quarts des importations et qui sont toutes difficilement compressibles. Pas incompressibles, mais difficilement. Le second élément qui explique notre incapacité à résorber le déficit commercial est le modèle de développement économique adopté par le Maroc, qui est basé sur la stimulation de la demande intérieure pour soutenir la croissance. Des analyses confirment qu'au cours des dernières années, la croissance d'un point du PIB génère la hausse d'un point et demi de la valeur des importations. Le troisième élément qui explique notre incapacité à résorber le déficit commercial se rapporte à la faiblesse de l'offre exportable. La majeure partie des exportations marocaines est faible, à faible valeur ajoutée et peu diversifiée. 80% du total des exportations se compose seulement de 86 produits. À titre d'exemple, cette part représente 130 produits en Tunisie, 355 produits en Turquie et plus de 558 produits en Chine. Nous pouvons ajouter à cela la faiblesse du tissu des entreprises exportatrices en comparaison avec les importatrices. Il existe près de 26 000 entreprises importatrices contre seulement 5 000 exportatrices, dont 91% d'entre elles réalise un chiffre d'affaires à l'export inférieur à 50 millions de dirhams et 467 seulement entreprises, soit 9% à peine, qui ont des activités exportatrices régulières. Et dans le but de donner une forte impulsion à l'offre exportable, il est nécessaire d'accélérer la mise en œuvre des différentes stratégies sectorielles, en veillant à leur cohérence et leur convergence selon une vision concertée en vue de développer le commerce extérieur tout en réduisant le déficit commercial. Et en vue de faire face à la faiblesse du nombre des entreprises exportatrices, l'État a adopté plusieurs instruments et mesures pour renforcer la compétitivité du produit local. Cependant, tous les efforts déployés n'ont pas permis jusqu'à présent de développer la compétitivité au niveau escompté, surtout que la concurrence sur le plan local et international s'intensifie de jour en jour et connaît des évolutions rapides.
Et en vue d'accompagner différents instruments et programmes sectoriels, le cadre institutionnel a connu une diversification remarquable au cours des dernières années, mais on n'a pas atteint l'efficacité requise pour le renforcement de la compétitivité des entreprises qui parfois sont incapables d'assimiler toutes les offres, comme vous le voyez sur le slide, ce qui pose la problématique de la cohérence des instruments et des programmes en matière d'appui à l'entreprise. On arrive au plan national de développement des échanges commerciaux, dont l'objectif principal est la réduction du déficit commercial via notamment une dynamique collective intégrée. Et comme je l'ai dit au début, ceci constitue une responsabilité nationale qui doit être assumée par tous les intervenants. En effet, la réduction du déficit commercial ne peut être réalisée sans l'adoption d'une nouvelle approche de la part de tous les intervenants basée sur la complémentarité des rôles de l'État, du tissu productif et des consommateurs. Le plan de développement, le plan national de développement des échanges commerciaux s'articule autour de trois axes déclinés en 20 chantiers et 40 mesures. Les trois axes sont, premièrement, renforcer les instruments de promotion et de développement des exportations, réguler les importations et faciliter les démarches liées au commerce extérieur et améliorer la valeur ajoutée locale. Le plan proposé, comme j'ai dit, s'articule autour de trois axes déclinés en 20 chantiers et 40 mesures. Si vous permettez, je donne la parole à M. Benayed, le secrétaire général du ministère, pour vous présenter les mesures et les chantiers de ce plan. Et je reprendrai la parole pour exposer la quatrième partie, c'est les organes de la gouvernance de ce plan. Donc à vous la parole, Sénégal. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président. C'est toujours un plaisir d'être à la CIMEX. Donc, il m'est choix d'honneur de vous présenter peut-être une synthèse de ce plan. Comme l'a dit Monsieur le Ministre, il s'articule autour de trois axes. Et dans le plus important, c'est la promotion des exportations et le renforcement de l'offre exportable. C'est la clé de voûte, je crois, de la solution qu'on propose au problème de déficit commercial. Donc, cet axe, il y a 13 chantiers qui sont programmés dans l'axe de promotion des exportations, avec 8 mesures qui sont programmées. Donc, le premier axe, c'est comme je l'ai dit, c'est valoriser le développement et donc pour promouvoir les exportations. Et un premier chantier, c'est, je crois, développer et mettre en place un pacte national pour le développement du commerce extérieur. Comme l'a dit Monsieur le Ministre, le commerce extérieur, en fin de compte, n'est que la résultante de l'activité d'une nation. Il exprime tout simplement la différence entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme. S'il y a un déficit, c'est-à-dire qu'on consomme plus qu'on produit. Donc, il n'y a pas de solution miracle, il faut qu'on produise plus pour qu'on puisse vendre plus, tant sur le marché local que sur les exportations. Et quand je dis le marché local, quelquefois il est possible même d'exporter chez nous. Si on peut grignoter, moyennant une offre compétitive, un peu de part de marché local qui est réservé aux importations, on fera une économie de devises et le résultat est quasiment équivalent.
Donc, c'est un problème national, donc il faut une mobilisation nationale. Et on va travailler dans le cadre d'un premier chantier sur l'élaboration d'un pacte national pour le développement des échanges extérieurs. Et l'objectif, c'est une mobilisation globale pour la réduction de ce déficit qui nous cause énormément de problèmes maintenant et qui handicape surtout nos capacités de financement et nos capacités de croissance. Donc, pour ce faire, c'est à travers une définition d'une vision partagée. Il faut qu'on partage les objectifs, qu'on partage la vision, et surtout à long terme. Et également, il y a beaucoup de plans sectoriels et qui ont mis en place beaucoup d'instruments. Il va falloir qu'on mette un peu de cohérence dans tout ça, un peu d'harmonie. Si on prend ne serait-ce que les horizons temporels, il y en a qui travaillent à 25, il y en a qui travaillent à 20, il y en a qui travaillent à 16. Donc les horizons sont différents, il faut mettre un peu de cohérence dans tout ça et surtout un peu d'intersectorialité parce que chaque plan a été développé quasiment en silo et on a négligé la capacité de travailler ensemble. Et la capacité de travailler ensemble, c'est de mettre des ponts entre ces stratégies pour qu'on puisse peut-être si l'agroalimentaire, pour se développer, a besoin de produits agricoles, frais, de spécifiques, etc. Il faut qu'on travaille dessus. Si l'emballage a besoin d'une unité, par exemple, d'emballage en verre, il faut qu'on voit comment les agro-industriels savent vraiment c'est quoi l'emballage en verre et quelle est sa valeur ajoutée, par exemple, dans la valorisation des produits agricoles. Etc. Donc il faut travailler l'intersectorialité, d'où la mesure 2. Et en fin de compte, il faut mettre un mécanisme indépendant d'évaluation de ces stratégies. Pour la simple raison, on ne peut pas être jugé parti, on ne peut pas élaborer des stratégies et en même temps les évaluer et dire qu'on va les mettre à jour. Donc il faut créer un mécanisme indépendant pour cette partie. Donc, le deuxième axe, il concerne la promotion de dispositifs d'accompagnement auprès des entreprises exportatrices. Et là, il faut mettre un plan de proximité. Malheureusement, on a constaté à travers les tournées régionales que beaucoup de mécanismes mis en place par l'État ne sont pas connus dans les régions. Il y a une forte concentration d'informations au niveau de Casablanca et au niveau de Rabat. Et également avec l'ASMEX et les partenaires du secteur privé, la CGM, la Fédération des Chambres, il faut mettre également les institutions, il faut mettre des relais régionaux pour faciliter l'accès à ces programmes et également renforcer la communication. Et on l'a déjà commencé, Monsieur le ministre a fait les 16 régions du Maroc et ça nous a permis beaucoup d'écoute et surtout une remontée de plusieurs problèmes qu'il faut qu'on prenne en charge ensemble. Le troisième chantier, c'est mettre en place un programme d'accompagnement des entreprises primo-exportatrices. On ne peut pas développer l'offre si on n'élargit pas la base des entreprises exportatrices. Aujourd'hui même, on était en train de voir le plan triennal de Maroc Export. Il va falloir transformer, si l'on veut vraiment réduire le déficit commercial, transformer beaucoup d'entreprises primo et des entreprises exportatrices irrégulières en entreprises confirmées. On n'en a que 400. Et si l'on veut réaliser les objectifs, il faut dans l'espace des 3 ans prochains qu'on passe à 1200 entreprises confirmées. Parce que c'est avec ces entreprises qu'on peut stabiliser l'offre et également augmenter en volume et en valeur également. Le quatrième chantier, il faut développer des mécanismes d'accompagnement direct. Maroc Export fait beaucoup d'efforts en termes d'accompagnement sectoriel, etc. Mais il faut également développer des mécanismes complémentaires au programme d'action complémentaire. Il est question de donner plus de liberté aux entreprises dans la conduite de leur programme de promotion et d'expansion sur les marchés. Et un plan triennal sera bientôt, je crois, présenté au conseil d'administration du CFPE
il est quasiment déjà ficelé. Le cinquième chantier, faciliter l'accès des entreprises au programme d'appui. Beaucoup d'entreprises se sont plaintes des dossiers à remplir, de la paperasse à fournir, etc., pour bénéficier de tel et tel marché, de tel programme d'appui. Et il est question actuellement, en coordination avec l'AMPME, l'ANDI, tous les organismes qui interviennent dans le domaine d'appui, premièrement qu'on constitue une démarche commune, qu'on essaie d'unifier nos critères d'admission à ces programmes et surtout simplifier ces critères d'admission. Et là, il y a beaucoup de pistes. Ce qui fait mal à notre commerce extérieur, c'est notre valeur ajoutée. Et je crois que c'est un critère qu'il faudrait qu'on prenne en considération dans l'admission au programme. Et surtout, il faut qu'on accompagne nos entreprises pour améliorer la valeur ajoutée. D'ailleurs, dans un exercice qu'on a fait récemment, il y a 2 ans, sans amélioration de la valeur ajoutée et sans amélioration de l'intégration sectorielle, la problématique du déficit commercial ne pourrait être résolue en revenant à des niveaux soutenables du déficit commercial. Donc, faciliter également le programme d'accès, j'en ai parlé, et surtout, on va travailler sur la mise en place d'une plateforme virtuelle où tout le monde peut s'inscrire moyennant l'usage des instruments électroniques et de ne pas continuer à faire le tour des administrations pour bénéficier de tel ou tel programme. Et surtout, il y a un projet de partager les informations. Celui qui est admis, par exemple, dans un programme au niveau de la NPME et postule pour un programme au niveau de CNPE, c'est pas la peine qu'il remplisse la même paperasse. L'administration doit partager les données et ne demander que l'information complémentaire à même de satisfaire quelques critères spécifiques à un programme. Donc, améliorer les retombées des actions promotionnelles à l'international. Comme l'a dit M. le ministre, ces dernières années, le champ promotionnel s'est diversifié, s'est enrichi, mais malheureusement, la coordination s'est appauvrie. Ça se traduit par des déperditions, des doubles emplois, et quelquefois,